Salut les amis, c'est Willy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans The Last of Us, partie 1, et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Et dites-moi les amis, est-ce que vous avez regardé la série sur Amazon Prime? Oh là là, c'est dinguerie! Ah bah Regarde lui. ça. Il a le symbole des Lucioles sur le bras. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts? Ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Écoute, tout va bien se passer. Ok. Pardon, excuse-moi. Allez, sortez. On y est presque. On y est presque, Tess. Et alors, il n'y a pas de petits objets. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Je suis contente que Marlène vous a empêché. Comment ça? Je sais qu'elle vous perd. Pousse-toi, pousse-toi, moi d'abord. Je voulais vous dire. Ouais, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde! Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que non tu... Non! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh merde. Oh. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où aller. Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp.
Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Eh oui. Et moi, depuis que j'ai vu la série, là pour l'instant, en un épisode, les mecs, dans la série, j'adore Tess. Alors que dans le jeu, je suis pas fan, quoi. On n'a pas le temps de s'attacher. Continue d'avancer. Descendu deux de mes hommes. Bien sûr. Vous, ouvrez la porte. Vous, avec moi. Bien, chef. Désolé, Bibiche. Voilà, parce qu'il y a des trucs à fouiller ici. Ils vont pas tarder. T'as qu'à les mordre à bon coup. Qu'on doit faire. Faites le tour. Joël. Je m'en occupe. Ils m'ont déjà repéré ou... Non. Oh. Monsieur. Je suis là, monsieur. Il y en a quatre. Allez, viens me faire un petit câlin. Tape, je t'ai dit tape. Oh, putain. Ouais, oh, sois poli quand même. T'éloigne pas, allez. Tout se passe bien pour l'instant. Ah lui, il est chiant quand même. Ok. Ok, viens, Ellie. Je te teste d'en trouver une bouteille. Je crois qu'il y en a une là-bas. Euh.
Y a pas de bouteille. Ah, c'était là, je crois. Ah bon, on a mis un coup. Allez, on change. Qu'est-ce qu'on fait, Joël? Comment on va sortir? Ok. Prends la porte. On va traverser cette salle. Reste baissé. Je sais pas combien ils sont. C'est parti. Il y a du poing. Allez, monsieur, on se dépêche. Allez. Au rapport. RAS sonore, pas de cible. Tenez vos positions. Tuez l'élu. Radin. Tu vas voir ton copain. Pousse de soupçon. Attends. Il a un flingue. Hein? Qui c'est qui a un flingue? Il a un flingue! Mais nous, on a une canette! Oh! Serre les fesses! Oh! Heureusement, je sais pas, ça va pas. En même temps, je suis normal. Oh là, c'est mort. Chope-le! Bouffe-le! Je suis pas là. Je les vois pas. T'as un visuel? Négatif. Eh ben, je m'en vais de ce pas. Ah! Je serais en réaliste, il m'aurait déjà défoncé. C'est vraiment des radins quand même. Ah. T'as un début de calvitie. Fais-lui un bisou, un petit bisou, allez.
Joël, voilà la sortie. Oui. La voix. Il y a des escaliers là-bas. Laisse-toi. Go, 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 go. T'es mort, y'a rien. Baisse-toi. Oh ben, j'ai eu un mini sursaut. Y'a un soldat là-bas. Restez en position et attendez les renforts. 5 sur 5, je bouge pas. Comment t'arrives à respirer avec ce truc? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus? Non, y'a rien ici. J'ai rien vu du tout. Fouille la zone. Trouvons-les et foutons le camp d'ici avant que des claqueurs se pointent. Des claqueurs. Non, monsieur, il n'y a personne. Oui, bon, tu m'as vu. Raté. Oh. Putain, c'était chaud. Que t'es vulgaire. Pas non plus. Je sais pas nager. On va trouver une solution. Du coup, t'es resté bloqué là, toi. Normalement, je devais pas ramener une planche ou je sais plus quoi. Allez. Mort, tout seul. Hé, regarde, elle marche. Oui. Maintenant, t'inquiète, je reviens. Je sais pas où je vais, mais... Ouais. Oh, j'ai vraiment pas d'air, moi. Attends, faut de l'air. Tiens-toi prête. Y'a rien ici. Je reviens. T'as trouvé quelque chose? C'est un cul-de-sac.
Allez, bon, viens avec moi si tu veux vivre. Saute. Sérieux? Allez. Ok, ok. C'est bon. C'est quoi le bug? C'est pas si profond. Alors, il n'y a pas un petit objet. Non. Allez, suis-moi, on se casse. Tirons-nous d'ici. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Ouais, je vois ça. Désolée, je me suis un peu emballée. Ah.
C'est toi, Bill? Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Il y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Eh ben, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode. On ira découvrir Mister Bibi dans le prochain. Voilà, voilà, les gars. Bon, c'est la vidéo à vous appeler, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.